Le RBM, ce n'est pas uniquement les maisons, ce n'est pas uniquement l'isolation, ce n'est pas uniquement l'extérieur des cités, c'est aussi un territoire. C'est un territoire, je ne vais parler que pour le Nord, chers collègues, qui reprend le Valenciennois et le Douaisis. On a besoin d'avoir des axes autoroutiers, on a besoin d'avoir de routes. Le contournement de Valenciennes qu'on a pu faire à plus de 120 millions, ça rentre dans le cadre de l'ERBM. Toutes les opérations village et bourg, ça rentre également dans ces opérations-là de RBM, que ce soit dans les petites communes, que ce soit dans les grandes communes. C'est 50 millions d'euros depuis 2017. Et j'aurais un point important, monsieur le préfet, et vous le connaissez, mon point important, et j'ai profité de le dire, parce que le président de région, il a parlé de tout ça, mais il y a également de l'enseignement également. Mais moi, je voudrais parler d'emploi. Et au niveau de l'emploi, aujourd'hui, nous avons des investisseurs importants sur le territoire qui arrivent. On en a sur le Valenciennois, on en a sur le Douaisis. Je vais prendre ces deux exemples-là, mais je sais qu'il y en a aussi dans le Pas-de-Calais. On est bien d'accord. Et je vous ai fait une proposition. Je ne pensais pas la faire si tôt dans la réunion aujourd'hui, mais les CIE, les contrats d'initiative emploi, banco, allons-y. À 25, moi j'y vais à 25, voilà, et à 50% l'État. 50% État, 25 régions, 25, merci Xavier, 25 départements du Nord, je ne peux parler que pour le département du Nord, chers collègues, moi je suis partant. Et je vous dis, monsieur le préfet, comme il y a eu les CIE Catelot, il pourrait y avoir par exemple les CIE Leclerc, ça serait tout à fait bien. Et je suis partant pour en mettre 4000 dans le département du Nord. Et je vais vous donner un chiffre important sur la partie Nord de l'ERBM, c'est 25 000 personnes au RSA. Si on peut en sortir 4000 entre les 26 ans et les 65 ans, on aura gagné notre pari. Si l'État reste que inférieur à 26 ans, là, on a raté notre pari. Voilà, l'ERBM, c'est ça également, et je voulais vous le dire aujourd'hui.